catch up. Marui News Club. ヨーロッパを拠点に10年以上活動しているフランスのアーティスト集団アーバンサックスの特集です。サックスを中心に最大200人での演奏は都市空間を音とパフォーマンスで追う大きなスケールのものだといいます。アーバンサックスは1973年の夏、プログレッシブバンドロードフリーのリーダーギルバート・アルトマンのもとに結成されたフランスのパフォーマンスグループである。サックスプレイヤーを中心にダンサー、コーラス、リズムセクションからなる44人の基本ユニット。しかししばしば公演先のアーティストをメンバーとして加え、最大200人という公演も行っている。彼らの公演は活動の中心であるヨーロッパ各国の各地が取り上げ、スケールの大きいスペクタクル、奇抜な発想、演出は高い評価を得ている。アーバンサックスは都市に未知の光景を作り出す。地下鉄で移動しながらの演奏、ゴンドラに揺られながらの演奏など、都市をデザインする彼らのパフォーマンスは刺激的である。演奏者は同時にパフォーマーとして音楽、演劇、美意識の要素を取り入れたプレイを展開。あたかも別世界の訪問者のようなメンバーたちの手によって、機械的な日常は異次元に変わってしまう。それはコンサートでも芝居でもダンスでもないスペクタクルアートである。東京公演の準備のためにアーバンサックスの代表のギルバート・アルトマンさんが来日いたしました。こんにちは。今からちょっと質問してみたいと思います。ですね、アーバンサックスのは何を表現したいと思ってるんですか？Le propos d'Urban Sax, c'est un petit peu de, en fait, de créer des environnements sonores, c'est-à-dire de promener le son autour du public, de créer des espaces sonores, de jouer sur l'architecture.Tous les musiciens en fait sont équipés d'émetteurs récepteurs, ce qui nous permet de jouer à de très grandes distances, de pouvoir positionner des musiciens sur un toit, d'en positionner dans d'autres lieux en fait, et de faire jouer tout un espace en fait en résonance. Urban Sax の performance にとって重要なものは何なんですか？ Oui, il y a deux raisons en fait qui peuvent motiver un concert. Une, c'est la raison un petit peu pour laquelle on peut donner un concert, l'opportunité du concert.Et ensuite et surtout le lieu, disons l'architecture dans laquelle peut se dérouler le concert. Oui, parce que en fait, chaque lieu est un lieu de résonance différent. C'est-à-dire que la musique ne se pratique pas de la même façon. J'irai dans un théâtre à l'italienne, dans une église, une cathédrale. On joue beaucoup en Europe, bon, dans les cathédrales. Et à chaque fois, les lieux autorisent des approches différentes de la musique.C'est-à-dire qu'il y a des lieux sur lesquels on peut difficilement jouer des choses percussives, simplement parce qu'il y a des phénomènes d'écho. Et donc, à chaque fois, la musique est différente selon que nous la jouons en intérieur, en extérieur, ou dans des lieux de grande résonance. なんですけれども、とっても不思議な衣装なんですけれども、あれは何を表現しようとしてるんですか？ Oui, les costumes sont gonflables en fait et sont un support à différents instruments. C'est-à-dire que les costumes sont différents ici. Là, c'est juste un prototype. Ils sont en construction actuellement, mais ça permet en fait que chaque musicien ait une autonomie de son et de lumière. C'est-à-dire qu'il y a des petites lumières à l'intérieur du costume qui lui permet de voir
un petit peu et de se faire voir dans ses déplacements. Et il y a également des sources sonores qui permettent de compléter un petit peu la musique qu'il joue avec le saxophone. ここでマリーからチケットガイド情報です。世界スポーツプロトタイプ選手権の第一戦として WSPC in Japan が開催されます。10代の耐久レース世界選手権がスプリントレースの性格を持つレースにシェイプアップ。よりスリリングなレースとなった WSPC の第一戦を体験してください。チケットの求めは 363-9999 マリーチケットガイドまでどうぞ。今増上寺に来ているんですけれども、この秋アーバンサックスは東京公演を予定していますが、今回の来日の目的はその公演場所を探すためでもあるんです。アルトマンさん、東京の印象はいかがですか？C'est une ville très très agréable où il doit faire bon vivre en fait, parce qu'il y a à la fois cette architecture contemporaine débridée où chaque bâtiment est complètement, où on sent la notion individuelle un petit peu.Ensuite, il y a cet havre de paix en plein milieu donc, de la ville, les temples, la sagesse. Je crois que ça fait le Tokyo actuel. Enfin, la complémentarité, en fait. Bien, je pense qu'il y aura donc un minimum de 52 musiciens saxophonistes et auxquels pourront se joindre vraisemblablement un ensemble choral, quelques danseurs, des spéléos, sans doute un travail aussi avec les pompiers s'ils veulent bien nous prêter leur savoir et très certainement si nous obtenons les autorisations aussi.Avec des feux d'artifice. Je sais que les feux d'artifice japonais sont certainement les plus fameux que l'on puisse trouver. Donc j'aurai beaucoup de plaisir à travailler avec le savoir des artificiers japonais également. というわけで、アーバンサックスの特集としてアルトマンさんのお話をいろいろと伺ってきましたが、こうやって VTR を見ているととてもショッキングで、そして刺激的なパフォーマンスだなと思いました。秋での公演がすごく楽しみです。ケッチアップ、わさびゆきでした。